Alors pour moi, l'art dans les villages, c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus commun. Voilà. On n'en a pas assez, on en mérite. On est dans un pays en plus avec énormément d'artistes et des choses comme ça, donc on mérite aussi qu'on voit un peu plus ce qu'ils font, voilà, et que ça soit un peu plus visible par tout le monde. Je pense que c'est très enrichissant pour tout le monde, enfin, que ce soit pour les promeneurs lambda du dimanche comme nous, comme pour les enfants qui viennent travailler sur ces projets. Ouais. Alors, je trouve que c'est une très bonne initiative. Et en plus, la participation des enfants amène aussi les parents à se promener. Et puis, c'est l'art pour tout le monde. C'est bien l'art, c'est pas seulement dans les musées, hein, c'est au quotidien, quoi, hein, et surtout dans les endroits qui sont agréables, quoi. Moi, ça fait découvrir des choses aux personnes qui connaissent pas l'art. Hein. Parce qu'effectivement, les gens de la campagne, ils n'ont pas l'habitude de fréquenter les musées, quoi. Peut-être, enfin, disons, ils sont plus restreints à fréquenter les musées. Et je trouve cette initiative formidable. Je trouve ça magnifique que l'art puisse s'exposer dans les petits villages, que tout le monde puisse apprécier les talents de nos sculpteurs locaux. Enfin, moi déjà, je trouve ça chouette que l'art retrouve sa place dans la nature, et surtout quand il s'agit là comme ça de sculptures sur du grès. Et effectivement, l'art, il n'a pas à rester cloîtré dans des musées et que pour certains. Enfin, moi, je trouve ça absolument génial. Oui, moi, je trouve ça très bien aussi que les œuvres d'art puissent être accessibles aussi au plus grand nombre, et puis qu'elles sortent un petit peu des musées pour retrouver un petit peu une place plus au plus proche des personnes, en fait, et de toutes les personnes. Ça favorise la divulgation de l'art au plus près des gens. Donc, je suis pour. Il faudrait que ça existe un peu dans tous les domaines artistiques, pas seulement la sculpture.